Eh bien salut tout le monde, c'est Neval, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et comme vous pouvez le constater, c'est sur donc For Honor. Ah, je l'attendais. Je l'attendais. Voilà, je faisais un petit tour vite fait dans les personnalisations, kiki tout dur, assuré, je vous jure. Bref, on va aller dans le mode histoire tout de suite, hein, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est parti. Il y a bien longtemps, les seigneurs guerriers de la Légion de Fer repoussèrent vikings et samouraïs hors d'Ashfeld. Nous, chevaliers, nous étions forts, nous étions fiers, et nul n'osait nous défier. Mais, tel un fléau, la paix s'abattit sur nous. Nos seigneurs disparurent de l'histoire, et notre peuple devint faible, complaisant. Quand les invasions vikings recommencèrent, la Légion de Fer n'était pas prête. Ashfeld sombra dans le chaos. Mais les Vikings, eux aussi, n'étaient guère plus que l'ombre de leur puissance passée. Quant aux samouraïs, ils n'avaient pas quitté leur bourbier depuis des années. Une nouvelle force a émergé en Ashfeld. La Légion d'Obsidienne, composée de vrais guerriers. Ils savent toujours faire la différence entre proie et prédateur. Nous venons remettre le monde dans le droit chemin. Place à l'ère des loups. Ah, d'accord. Ok, donc le jeu est comporté en chapitres et chaque chapitre, en gros, c'est un truc. Et là, je vois aptitude du mode histoire. Qu'est-ce que ça coûte? Oh, on gagne de l'XP même en mode histoire. Ok. Et dans les derniers trucs, c'est quoi? C'est. D'accord, ok, bon, très bien. Ok. Bon, bah, on commence par les chevaliers, normal, tout ça, ma faction, ça fait plaise. Ok. 1-1, le seigneur. Non, seigneur est lâche. Difficulté. Bah, normal, wesh. Marathon, expérience de combat équilibré, ouais, touche pas à ça, petit con. Ouh, il y a beaucoup de difficultés! Ouh là là! On réalise sur qui va être compliqué. Bon bref, allez, normal. Les sentinelles, membres d'un ordre ancien, tombés dans l'oubli. Ils ont juré de défendre les faibles. Ce sont les maîtres de l'épée longue. Nul ne sait d'où ils viennent. Mais ils se battent pour la bonne cause. Mais rares sont les élus qui intègrent leur ordre. Ok. Je choisissais votre aspect pour ce chapitre. Je suis un monsieur apparemment. Ok. Ah non, je peux être une femme. Ah oui, ça fait plaisir. Moi, la marre d'être des mecs tout le temps. Vous êtes d'accord, hein? Puis moi, je veux Jeanne. Allez hop. C'est bon, ça me va. Ok, ça s'annonce tellement bien. Oh, ça s'annonce tellement bien! Mon dieu. Moi, ouais, je le mets en normal, hein, faut pas déconner. Je veux dire, j'ai joué à la bêta fermée, la bêta ouverte. Je dis pas que je suis trop fort et tout ça, hein, je dis juste que bon, je devrais m'en sortir. Après, ça va dépendre des persos, hein, ça dépend ce qu'ils vont me donner. Hein, surtout avec les vikings et les barbares. Non, c'est la même chose, les vikings et les barbares. Avec les vikings et les samouraïs, pardon. On verra bien. On verra bien. Mon histoire commence le jour où j'ai appris que je servais le mauvais seigneur. Ervis d'Aubeny. Défendez les remparts! Le jour où j'ai rencontré la Légion d'Obsidienne. Et Holden Cross. Montre-toi! D'Aubeny! Inutile d'en arriver là! Tenez-les en respect! Messire! Détruisez tout! Détruisez tout! En défaut
Mais je suis une sentinelle. Allez, à l'attaque. Le devoir m'appelait. Voilà, je dois avancer. Ah, ça fait plaisir que on entende notre héros parler. C'est vraiment plaisir de les entendre. Ah non, tu vas pas me faire le tuto, s'il te plaît. Je l'ai déjà fait, le tuto. Quoi? Ok, ouais, mais il me refait le tuto. Eh, je t'ai chiant. Oh bah lui, il en a pris une. Pleine gueule. Ok, je refais le tuto, c'est génial. Ouais. Bah... Allez, tape. Voilà. Allez, tape, s'il te plaît. C'est bon. Ouais. Alors, attends, dans une direction... Avec ce que je veux. Ok, non, pas avec ce que je veux. C'est bon, là. C'est bon. Encore. Voilà, allez, viens de battre, maintenant, mon petit. Ah, j'ai pas le droit d'utiliser X et tout. Ah ouais, mais je suis... Eh, vous... On m'a nerf, je suis nerf. Bah d'ailleurs, je viens de voir que j'ai pas de... J'avais pas d'endurance. C'est par où? C'est par là? Non, c'est pas par là. Vague de défense, 1 sur 3. Ok. Ah, je peux pas exécuter les mecs tout pourris. Ok, d'accord. Bonjour. Ok. Merde, je me suis planté. Là. Ok, et on régène dans quel cas? Comment on régène notre vie? Je suppose que c'est ça. Ah ok, d'accord, on ramasse des objets et on soigne quand on veut. D'accord, ok. Très bien, je pensais que c'était des checkpoints, quelque chose du genre. Chargez! Ouais, je sais, le jeu, c'est bon. Vous n'aurez pas Jérusalem! Voilà. Viens là, toi! Voilà, très bien, moi ça me va. Il est à moi, lui, ça fait d'XP. Viens là, toi! Tu me touches pas. Petit con, hein. Ok, bousille les archers. Tu. Ah, salopard. Un peu plus résistant celui-là, dis donc. Allez, attaque. T'attaques pas, moi j'attaque. Oh yes. Oh. Oh mon dieu. Qu'était-ce? Qu'était cette exécution que je ne connais pas? Ok, en fait, il y a les tout petits ennemis nuls comme ceux que j'ai affronté là. Et il y a les mecs un peu plus au-dessus. Ok, d'accord, très bien. C'est pour ça qu'il avait plus de vie. Ok, c'est cool. Ah, franchement, cette campagne, elle m'excite. Hein. Ok, il y a des éléments destructibles à trouver. Et c'est quoi ça qui brille? Kezako? Je sais pas. D'accord. C'est cool ça. Aïe. Ok. Continuons, c'était par là. Et ça c'est quoi? LB. La chute du dernier sanctuaire d'Ashfeld. 1000 ans ont passé depuis. 6 années durant, nos ancêtres ont repoussé 100 000 guerriers affamés et perdus. C'est sympa. Laissez-le moi. Je suis une vraie guerrière, moi. On va pas appeler, m'appelle pas jeune pour rien, ok? Voilà, dégage. Ah, oh, je t'avais pas vu, excuse-moi.
Tuez-les tous. Ça fait de l'XP, hein. Bon, toi, tu te fais défoncer, le capitaine, super fort. Elle est toujours parée à tirer. Ok. Je descends par là. Je descends par là. Sauter. Ok. Tiens mon gars. Fallait pas te retrouver là. Ce bélier allait mettre fin au combat. Allez mange. La deuxième exécution c'est quoi? Ah c'est celle-là, je l'aime pas celle-là moi. J'en ai vu une qui était excellente. Quand on la verra, je vous dirai c'était celle-là. Je laisse la surprise. Eh, me tapez pas. On tient, on tient. Non, on tient pas, il y a un trou. J'avais pas vu. On est dans la merde. C'est comme dans le gouffre de Helm, mais on est dans le caca. Allez. Ça va, les niveaux ils ont l'air de monter assez vite. Je suis presque niveau 3 là. Montre-toi! Tu peux sauver ces guerriers. Je demande un duel. Tout de suite! Quoi? T'affronter? Ce ne serait pas un duel. Ce serait une mise à mort. Alors combat mon bras droit. Toi! Tu seras mon bras droit. Entendu. Refuser aurait déclenché un massacre. Oh le mec, il a pas de couilles. Il m'envoie moi quoi, mais c'est quoi cette tapette? Oh t'es chaud toi. Oh, tu vas te calmer Roberto là. Écoute mon gars, on peut en discuter de ma femme, tu sais. Sentinelle, lui aussi. T'es nul. Tu le sais que t'es nul. T'es une grosse merde. Mais alors, une grosse... Putain de merde. Oh, tu m'as touché, oh là là, félicitations. Je me suis trompé de touche. Petit con, hein. Mange. Allez, viens de battre. Mais voilà! Respecte-moi! Voilà! Alors! Nous restions à leur merci. Un chevalier de la Légion d'Obsidienne ne saurait être vaincu par un vulgaire mercenaire. À genoux.
pour ta vaillance au combat, pour l'honneur dont tu fais preuve. Moi, Holden Cross, je t'adoube. Lève-toi, chevalier de la Légion d'Obsidienne. Nous partons. Suis-moi. C'est ainsi que j'ai rejoint la Légion d'Obsidienne. Ah ouais, comme ça, quoi. C'est « Bonjour, j'ai déglingué ton pote, ça va ou quoi ?» Waouh, Zemo Observable, j'en ai eu 1 sur 10. Dis donc. Ok. Alors, frappe de précision niveau 1, second souffle, pardon. Ok. Rage sanglante et récupération rapide. Ok. Bon bah, continuez. Hein. Moi, je suis chaud. Ah, je suis chaud. Ah ouais, je suis chaud. Moi, je savoure. Hein. J'essaie de pas trop parler pour justement laisser le... Vous voyez, le duel, tout ça. Et puis, je vous avouerai que, de toute façon, quand on joue à ce jeu, on est en attente, c'est très concentré. Ce qui fait que je peux pas forcément penser à parler. C'est pas un mal. Cette sentinelle avait fait ses preuves. Mais il était trop tôt pour nous en réjouir. Les Vikings s'apprêtaient à détruire le dernier sanctuaire de la Légion de Fer en Ashfeld. Ma Légion d'Obsidienne allait les sauver. Alors, jouez et rejouez aux missions pour accumuler de l'expérience histoire et augmenter votre niveau d'histoire. Au fil de votre progression, vous débloquez et améliorez des aptitudes à utiliser en mission. Les niveaux de difficulté supérieurs vous rapportent plus de points. Appuyez sur anciennement back sur une manette de 3-6 depuis la carte du monde pour afficher votre protection actuelle. Ok. Et ça se débloque tout seul, enfin je veux dire après je suis tranquille. Mais quand ils disent vous récupérez une quantité modérée de santé, c'est quoi? C'est quand j'utilise un pouvoir? Je sais pas. Passif, toutes vos attaques infligent 5% de dégâts en plus. Ouais, donc c'est très important. Ouais, en fait, je pense que si on veut jouer en difficulté beaucoup plus élevée du jeu, tuer des héros augmente vos attaques défense moins 15 secondes. Ouais, je pense que si on veut jouer vraiment en difficulté max, faut d'abord s'amuser à tout bien déverrouiller, quoi. Ok, très bien, bah, c'est cool, j'adore. J'aime beaucoup. Et on a combien de temps? On en fait une deuxième. Faut pas déconner. Allez hop. Alors, vous pouvez choisir les aptitudes à équiper pour chaque mission. Tester différents styles en jeu. Ah, ok, d'accord, très bien. Merci. Pour l'instant, j'ai que ça. Ah non, j'ai ça. Hors combat, l'endurance se régénère à vitesse modérée. Rage sanglante m'intéresse pas. Ça, j'aurais bien aimé. La frappe de précision. Ah bah je l'ai. Je l'ai, j'ai rien dit. Je l'ai. C'est très bien. La rage, ça m'intéresse pas. Par contre, que toutes mes attaques fassent 5% de dégâts en plus, ça me va. Ok, très bien. Parti. Ah oui, je peux plus changer de perso. Quand il disait pour ce chapitre, je pensais qu'il parlait juste pour la bataille. En fait, non, non, du tout. Si vous avez choisi votre personnage tout le long, ok, très bien, c'est cool. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est cool. C'est vraiment super bien, quoi. Hâte de voir les autres campagnes, du coup. Cette mission, je l'avais déjà vue, hein, il y a très longtemps. Bah, je crois que c'était le 3 dernier, il l'avait montré, je crois. Donc, je la connaissais déjà. Maintenant, là, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Bah, dites-moi dans les commentaires, hein, si vous kiffez la campagne... Même si vous aimez pas forcément le jeu, je peux comprendre que vous aimiez pas jouer, mais dites-moi si vous aimez quand même la campagne du jeu en tant que spectateur, en tant que film, quoi, en fait. Parce que franchement, je sais pas, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Je suis très emballé, ça s'entend pas. De toutes les légions, la Légion de Fer est sans conteste la meilleure. En Ashfeld, pourtant, elle se trouvait au bord de la défaite. Stone, son commandant, avait besoin d'une armée. Holden Cross m'a choisi. Sentinelle ! Où sont nos renforts ? Devant toi ! C'est une farce ? Ouvre le portail! Ouvre la marche, sentinelle! Bonne chance! Merci, Flowman!
Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'accord, merci le jeu. Je bourrine, laisse-moi bourriner. Allez, repoussez-les. Allez, barrez-vous. Bande de petits cons, barrez-vous. Repoussez-les. C'est quoi ça? Allié plus puissant, soldat plus... Ok, très bien. Il vous fallait reprendre les flancs. Allez. Ok, donc c'est le mode dominion en fait. Moi, mais j'aime bien, moi je kiffe, je trouve c'est trop bien. Ok, reprendre les flancs. Très bien, je m'en occupe. Trouver le timing pour esquiver les attaques. Ouais, t'inquiète. En tous les vikings de cette zone, nous contrôlerons la garnison. Allez, mange. Eh, les petits cons, vous faites quoi là? Eh oh, vous me tapez pas là! Oh, tiens. Merdeuve. Est-ce que je régène comme en Dominion, tiens? Dans la zone, je pense que oui, hein. Ce bâtiment nous aidera à recruter des troupes. Très bien. Les guerriers voient rarement l'effet des guerres sur le peuple. Les réfugiés, les morts, c'est un pote, ça, les affamés. Ça, c'est pas un pote. J'ai vu tout cela quand j'étais plus jeune. Je n'ai jamais oublié. Allez, bouffe. Toi, je veux plus te voir. C'est un pote, toi, c'est un pote. Ok. Bon, qu'on récupère ça, elle a dit. Les attaques effectuées au bon timing, les animations enchaînées, blablabla, ouais, si tu veux. Moi, je te fous des coups forts dans la gueule, apparemment, ça passe. Oh merde, j'ai pas vu que t'étais un gros, toi. Dégage. Aïe. Ah, petit con, toi, tu m'as l'air un peu vénère, toi. Allez, bouffe. Merde, lui il est chiant pour ça. Un petit con. Petit con, ok, vas-y. Je joue à ça, mon gars. Voilà. C'est fait. On va les prendre les flancs, on va les prendre. Laisse-moi déjà prendre ce point, madame, s'il te plaît, merci. C'est quoi ça? C'est pour me dire que je dois casser? Ok. On peut amener des archers ici. Et ça, c'est quoi? Non, c'est pas ce que je crois. C'est pas ce que je crois, ce ne serait pas une baliste, des fois. Oh. Oh, c'est sale. Et toi, là-bas? Petit con. Tiens. Voilà. Ouais, bon, je vais pas le faire sur eux, parce que c'est ridicule. Non, non, baston, oh là là, baston. Ok, donc j'ai catapulte, mais il est où? Je sais pas, je le vois pas, ça s'est peut-être fait tout seul. Ok. Ok. Battez-vous! Voilà, je vous montre comment qu'on fait. Regardez, vous voyez, c'est rapide. Vous mettez un petit coup comme ça, voilà, un petit coup comme ça, hop, ça passe. Voilà. Ouah, salopard. Ok. Oh merde, ils sont deux. Ça va, il m'a lâché l'autre. Et toi là? En fait non, il m'a pas lâché, c'est lui qui a été un peu bête. Oh, on dirait je sais plus comment il s'appelle, c'est avec le bouclier, mais il l'a pas en fait, sans le bouclier là, pour le coup. Allez, mourez. Peut-être utiliser un bonus sur mes potes. Regardez, hop. Voilà, battez-vous. Ah mais ok, c'est que tour de moi, bah oui, je suis bête. Bon, c'est pas grave. Allez, on doit prendre le dernier point. On verra l'ennemi, blablabla, ouais, si tu veux. Toi, tu meurs. Saloperie. Je suis désolé. Tous les vikings peuvent prendre cette position de tir. Objectif accompli. Ok, alors encore maintenant. Repoussez les ennemis de la citadelle. Ok. Repoussez-les! Nous tenions la victoire. Plus qu'un dernier.
Désolé. Battez-vous pour l'honneur! Ou pas, mais ça, à vous de décider. Stone était un fléau, l'un des meilleurs que j'ai jamais vu. Ah, veut dire un mec qui manie le fléau? Ouais, non, parce que pour moi, le fléau, c'est pas ça, sinon. Merde. Ah, je. Tiens, mange. Allez, encore une tête. Repoussez-les, nom de Dieu. Voilà. Battez-vous. Allez, allez, allez. Bon, on les repousse. Oh, bon, on les repousse complet. L'armée qu'on a, quoi. On est trop puissant, on est trop puissant. Oh merde, c'est Valkyrie. Ok, viens de battre Jacqueline. Je la connais pas du tout. Allez, viens. Waouh, qu'elle fait des balayages de ouf. Ok. Waouh, tu vas te calmer là, Regina, là. Allez, meurs. Eh ben. Battez-vous! Pas mal, Sentinelle. Pas mal du tout. J'aurais pu y arriver tout seul, mais bon. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. T'aurais pu me faire un petit bisou quand même, hein. Ok. Je suis monté d'un petit niveau apparemment. Gratinure, lame affûtée, bourreau et mortifière, c'est ça? Ok. On verra ce que ça donne. Alors, lame affûtée, attaque inflige dégâts sur du. Ok. Passif, soin léger et bonus de dégâts pendant 15 secondes après l'exécution. Les attaques infligent un peu plus de dégâts. Réduit de 15% les dégâts subis. Bon, bah, je crois que moi je vais mettre ces deux trucs là, hein, et gratinure et ce que j'avais avant, ce que j'avais là actuellement là. Je pense que c'est le mieux. Hein. Des passifs. Moi, après, on peut se soigner. C'est vrai que c'est chiant. Non, pour l'honneur. Pas de soin. Pas de soin. Pour l'instant, normal, j'ai pas trop de difficultés. Hein, très honnêtement. Nous avions mis les Vikings en déroute. Alors que nous achevions les survivants, le restant des légions éparses se rallia à l'obsidienne. Je crois que la Sentinelle avait quelques réserves concernant nos méthodes. Bah ouais, tu crois quoi? Dommage, on peut pas voir toute la map. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Bon bah écoutez, on va se laisser ici. Sur cette première vidéo sur le Let's Play de For Honor. Moi en tout cas, je surkiffe. Hein. Je dis honnêtement, je vole au plafond, c'est excellent. J'adore énormément. Attendez, comme ça, je vais vous montrer un petit peu les héros. Ceux qui avaient vu la bêta, donc vous aviez tous ces personnages là. Enfin, lui non. Mais elle oui, ils ont rajouté des persos. Donc ils ont rajouté donc l'émissaire, si on peut le voir. Donc c'est bon, c'est un peu le chef qui m'a recruté quoi. J'ai testé, il est extrêmement lent. Mais en fait il est vraiment basé sur la contre-attaque. Et il a beaucoup d'endurance par contre.
vu qu'il est très lent. Ensuite, il y a donc Valkyrie, que vous avez vu à l'instant. Bon, au début, je croyais qu'elle allait beaucoup enchaîner. Je pense que c'est un perso très dur à jouer. Bon, voilà, j'ai juste testé comme ça vite fait en duel avant de faire la vidéo. Et il y a lui, que j'ai pas du tout testé. Parce que je sais pas pourquoi, il m'attire pas. A voir. A voir. Bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, plein de bisous. Ciao.